Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le dernier bilan des inondations en Thaïlande fait état de 427 victimes. L'eau ne semble toujours pas vouloir quitter le pays. Certains quartiers de Bangkok sont sous un mètre d'eau. La compagnie belge Brussels Airlines va terminer l'année 2011 avec un chiffre d'affaires catastrophique. En effet, elle accuse une perte record de 70 millions d'euros. Une nouvelle campagne de Reporters sans frontières parle aux voyageurs qui se rendent en Thaïlande, au Mexique ou au Vietnam. Des phrases choc sur de sublimes images paradisiaques. Et nous terminerons avec le calendrier tant attendu, non pas des dieux du stade, mais des hôtesses sexy de Ryanair. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Selon un dernier bilan officiel, les inondations en Thaïlande auraient fait depuis 3 mois 427 victimes. Cependant, il ne faut pas prendre cela pour argent comptant, car ces résultats ne font état d'aucun mort à Bangkok. Or, certains quartiers sont noyés sous plus d'un mètre d'eau. Le Quai d'Orsay, sur son site internet, explique que tous les sites touristiques sont toujours accessibles, excepté celui d'Ayutthaya. Par ailleurs, l'aéroport international de Suvarnabhumi fonctionne normalement, tant pour les lignes intérieures qu'extérieures, et ce grâce aux nombreuses digues érigées tout autour. Cependant, le ministère français recommande d'éviter Bangkok et de se concentrer sur d'autres zones intérieures. Selon le chef de l'armée, tout devrait être réglé pour fin décembre. Il suffit à présent de trouver une solution pour évacuer toute cette eau. La compagnie aérienne belge Brussels Airlines va clôturer l'année 2011 avec une perte record de plus de 70 millions d'euros, rapporte le quotidien L'Écho, citant des sources proches du dossier. Selon le journal, la société pourrait même engloutir la moitié de son capital à cause de cette mauvaise performance imputable à la flambée du prix du kérosène et de difficultés d'exploitation en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Toujours selon L'Écho, Brussels Airlines ne tiendrait encore debout que grâce à la présence du géant allemand Lufthansa, qui détient 45% de son capital. Les dirigeants de la compagnie belge seraient toutefois optimistes pour l'avenir. Son chiffre d'affaires y a augmenté de près de 12% en 2011 par rapport à 2010, et les perspectives étant encourageantes. Une réduction du personnel et une augmentation des tarifs ne sont cependant pas à exclure, écrit encore L'Écho. En bref, le train de la mine a rouvert à Disneyland Paris. En effet, l'attraction du célèbre parc reprend du service après un problème technique qui a provoqué le déraillement de 2 wagons la semaine dernière. Il s'agissait du 2e accident en l'espace de 6 mois sur le Big Thunder Mountain. Le porte-parole de Disneyland Paris assure que des experts ont vérifié l'ensemble de l'attraction, et ses réparations. Espérons maintenant que ces vérifications rendent l'attraction plus sûre pour les visiteurs. Reporters sans frontières vient de lancer une toute nouvelle campagne à destination des voyageurs. Ainsi, sur 3 affiches différentes, on peut voir une image idyllique paradisiaque d'un endroit au Mexique, au Vietnam ou en Thaïlande. Et en dessous de cette image, vous pouvez lire un slogan du style « Fuck democracy, book a vacation in Thailand ». Autrement dit, « Merde à la démocratie, réservée en Thaïlande ». On retrouve 2 autres slogans identiques pour le Vietnam, où l'association met en garde les voyageurs contre les manquements pour les droits humains et pour l'absence de liberté d'expression au Mexique. Reporters sans frontières s'explique en disant que c'est le plus grand choix des voyageurs de choisir la destination de leurs vacances, mais c'est leur devoir de nous dire où mettre les pieds. Le secrétaire général poursuit en disant qu'il n'appelle pas au boycott de ces destinations, mais qu'il souhaite que les voyageurs connaissent aussi l'envers du décor. Nous avons choisi 3 pays qui sont à la fois des destinations paradisiaques pour les vacances et des enfers pour les journalistes, a-t-il conclu. La campagne souhaite rappeler que 80 journalistes ont été tués au Mexique en 10 ans. Plus d'informations sur le site qui s'affiche en ce moment au bas de votre écran. Les hôtesses de Ryanair ont à nouveau fait tomber leur uniforme pour la bonne cause. Un calendrier de charité où l'on peut voir de jolies demoiselles en lingerie sexy. Dans ce calendrier, vous pourrez découvrir Gilliane de Dublin, Lisa de Madrid, Georgina la londonienne ou encore Dorota de Bruxelles. De quoi vous donner envie de voyager sur les lignes de la compagnie low cost, mais dont les bénéfices serviront la bonne cause. La compagnie aérienne espère rassembler 100 000 euros grâce aux ventes de ce calendrier. Une somme qui sera ensuite versée à l'association Des Brailles, qui permettra à 50 familles européennes dont les enfants souffrent d'épidermolyse bulleuse, une maladie de la peau, de profiter d'une semaine de répit dans un logement de vacances spécialement adapté à Malaga en Espagne. Pour les amateurs, sachez que le calendrier est disponible à bord des vols Ryanair et sur ryanair.com pour 10 euros.
Et on termine ce journal avec la météo en Belgique d'abord pour ce vendredi. Les courants méridionaux toujours très doux et perturbés s'imposeront et détermineront un temps généralement très nuageux avec des ondées matinales s'évacuant lentement par le nord-est. L'après-midi, de belles éclaircies se développeront temporairement mais elles précéderont le retour de nouvelles précipitations par le sud la nuit suivante. Pour les températures, Bruxelles et le Brabant observeront 17 degrés, le Hainaut 16 degrés, Namur 15 degrés, Liège un petit peu moins avec 14 degrés, le Luxembourg et la Flandre occidentale 16 degrés. En France, vendredi, dans la matinée, des pluies modérées arroseront l'est du pays et des averses se déverseront sur le nord-ouest, tandis qu'une accalmie se fera ressentir du nord aux Pyrénées. L'après-midi, il y aura une persistance du mauvais temps sur l'est. Ailleurs, les nuages reviendront avec des averses à l'ouest. Pour les températures, Paris aura 18 degrés, Metz 17 degrés, Nantes 16 degrés, Lyon 19 degrés, Bordeaux 17 degrés et un peu plus dans le sud avec Marseille 20 degrés et Ajaccio toujours 23 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations touristiques mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images du Québec enneigé. Belle évasion sur Liberty TV.